se retrouve pour une nouvelle recette, une recette de soupe traditionnelle marocaine, la harira, revisitée avec beaucoup de légumes, sans viande. C'est parti, on va commencer avec les ingrédients. Je vais avoir besoin de pois chiches, des lentilles, nous avons ici 3 tomates ainsi qu'un oignon, des vermicelles, on a un mélange de coriandre, persil, céleri. Je vais utiliser donc des légumes, une carotte, une courgette ainsi qu'une pomme de terre. Il me faudra de la tomate concentrée. J'ai ici de l'huile d'olive, un peu de beurre rance, c'est facultatif, du poivre, du gingembre, du curcuma ainsi que du sel. On va commencer par mettre notre huile ainsi que le beurre rance dans une marmite. On ajoute les tomates, oignons, ainsi que le mélange céleri, coriandre, persil. C'est une recette, comme je vous disais, très rapide et facile. Alors pour les pois chiches, si ce sont des pois chiches en boîte, on les met à la fin. Pour ma part, ce sont des pois chiches que j'ai laissé tremper la veille, donc je les mets dès le départ avec les lentilles et toutes mes épices. Je rajoute ma tomate concentrée, mon concentré de tomate, et je vais venir mélanger le tout. Une fois que c'est mélangé, je vais venir couvrir d'eau. Donc j'ai ici environ 1,5 litre à 2 litres d'eau. Donc je laisse cuire et avant de fermer ma marmite, je vais y mettre une pomme de terre, une courgette ainsi qu'une carotte. Lorsque c'est cuit, je retire mes légumes, je vais venir les mixer. Alors dans cette recette, nous n'allons pas utiliser de farine pour épaissir la soupe, nous allons utiliser donc ces légumes. Donc je vais remettre les légumes à l'intérieur et bien mélanger et vous allez voir qu'on obtient une soupe beaucoup plus épaisse. Il me reste à mettre mes vermicelles, donc je mets les vermicelles, je mélange, je laisse cuire environ 2 petites minutes et encore une fois c'est facultatif, je vais pour ma part ajouter un œuf. On mélange, je vais terminer avec de la coriandre fraîche. Et voilà notre soupe.